Kitok fait toujours une jolie photo et ça donne envie. Et c'est une photo qu'on retrouve du coup sur la fiche recette. La fiche recette de Kitok, elle est vraiment bien réalisée. On va la découvrir ensemble. Sur le devant de la photo, il y a le temps. Vous voyez, le temps avec la petite horloge nécessaire de préparation en fonction du nombre de personnes. Et en haut, vous avez le tableau avec les ingrédients nécessaires pour le nombre de personnes. Et il y a toutes les étapes bien détaillées. Donc on va découvrir ensemble, voilà, les ingrédients nécessaires pour cette recette. Vous voyez, en frais, il y a vraiment juste ce dont vous avez besoin pour éviter le gaspillage. Alors, on va commencer par réaliser des bâtonnets de carottes de pommes. Voilà, donc de réaliser la garniture. Vous voyez comme la fiche est vraiment bien détaillée, c'est simple. On comprend bien ce qu'il faut faire. Donc couper la pomme en fin bâtonnet, la carotte aussi, hacher la menthe et faire un écrasé de cacahuètes. Donc j'ai tout fait avec un grand couteau. Pour les vermicelles de riz, donc il faut les hydrater. Alors, on vous donne un gros paquet. Là, on vous donne pas juste la petite dose, donc c'est de l'épicerie, donc le reste va pouvoir se garder, c'est ce que je me suis dit en tout cas. Du coup, je me suis dit, je vais pas tous les hydrater, mais en fait, ils sont vraiment très très durs à délayer, comme vous pouvez le constater, ça a été un vrai gag, j'ai essayé de les couper au couteau et tout, impossible, hein. Donc voilà, vous voyez, constatez un peu la difficulté. Donc du coup, bah, finalement, je décide de tous les hydrater dans une eau bouillante. Attention, c'est chaud. Donc on prend quelque chose, voilà, le couteau par exemple, pour bien les plonger dans l'eau et les remuer. C'est très très rapide, hein. Donc c'est pour ça que moi, j'ai préféré le faire en deuxième étape pour vraiment gagner du temps. Parce qu'une fois que c'est fait, il faut les utiliser rapidement. Donc on hydrate maintenant, donc on met une eau chaude, pas trop chaude quand même, pour hydrater les feuilles de riz cette fois-ci. D'un côté et de l'autre, voilà, j'ai choisi de la retourner pour éviter qu'elle se renroule sur elle-même. Et on vous demande de poser un torchon pour venir les poser dessus. Donc là, c'est pareil, il va y en avoir plusieurs, donc vous pourrez faire plusieurs rouleaux de printemps, plus que ce que vous aviez prévu. Si vous avez prévu la recette pour deux personnes, là c'était pour deux personnes ou trois, deux de mémoire. Donc vous voyez, vous allez voir, on a largement pu en faire plus. Donc voilà, dès que vous voyez que la feuille elle est moins rigide, c'est que vous pouvez la sortir de l'eau. La première, j'ai laissé un peu trop longtemps, elle était très déchirable, donc je vous conseille vraiment de ne pas la laisser trop longtemps dans l'eau, de bien la prendre par les extrémités et de bien l'étaler le mieux possible dès le début, parce qu'après c'est un petit peu compliqué, c'est très fragile, hein. Voilà, un petit peu compliqué à reprendre, une tendance à se déchirer facilement, donc et puis ensuite sur la recette c'est écrit d'empiler en fait la garniture sur un des côtés, donc pas au milieu, et il faut laisser au moins 1 cm, un espace d'un centimètre, je dirais, voilà, entre la garniture et les bords, puisqu'il va falloir replier les bords sur eux-mêmes avant de rouler le rouleau. Et en fait, ça va coller. La texture de la feuille de riz humide colle toute seule, donc ça, c'est chouette, ça, parce que ça colle vraiment bien. Voilà, donc vous empilez vos ingrédients, les carottes, les pommes, la menthe. Les cacahuètes, donc là je rappelle qu'on est sur des rouleaux de printemps végétariens, il n'y a pas de crevettes dedans. Et puis vos vermicelles de riz. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment voulu les faire au dernier moment, parce que ça colle énormément. Peut-être qu'il aurait fallu les rincer dans de l'eau froide, comme avec les pâtes ou le riz, pour éviter que ça colle comme ça. Donc voilà, j'ai fini par les couper pour pouvoir en détacher une partie. Et on les dispose dessus. Voilà. Donc on replie d'abord un bord. Un autre bord. Vous voyez, à chaque fois 1 cm. Et après on roule. Et voilà. Donc vous voyez, c'est très très facile à faire, hein. Quelques mésaventures, j'irai, avec le vermicelle, mais maintenant il n'y a plus qu'à déguster.
Donc on vous donne aussi les ingrédients pour réaliser une salade et une sauce avec de la sauce soja qui est très bonne. Un peu rigolo, pour certains.